un film iranien qui n'en est pas un prix d'interprétation à Cannes, un serial killer qui tisse une toile d'araignée pour attraper des prostituées et les tuer, une journaliste qui tisse également une toile d'araignée, mais pour attraper ce même serial killer, une histoire vraie, shootée comme un Michael Mann, avec des acteurs exceptionnels. Si avec tout ça vous n'êtes pas hypé, eh bien je ne peux plus rien pour vous. Salut les cinéphages, c'est Merej, et aujourd'hui, événement, on vient parler du film iranien Les Nuits de Masahad. Enfin, film iranien, pas vraiment, ça se passe en Iran, mais ça a été tourné en Jordanie, et ce n'est absolument pas produit par l'Iran, c'est produit par 4 pays complètement différents, dont l'Allemagne et la Suède, parce que le sujet était un petit peu trop brûlant, on va dire que le film est un petit peu trop à charge, notamment contre le gouvernement. Et donc du coup, c'est un projet extrêmement compliqué. Le réalisateur a mis 10 ans déjà à l'écrire, à le construire, et puis quasiment le même temps pour faire le casting, le produire, le réaliser, des embûches à chaque étape. Et au final, on se retrouve devant l'un des films les plus marquants de l'année. C'est réalisé par Ali Abbasi, qu'honnêtement je ne connaissais pas du tout, mais qui dorénavant est sur ma liste des réalisateurs à ne pas manquer, puisque je me suis fait atomisé par ce film, les enfants. Deuxième chef-d'œuvre de la semaine. Alors celui-ci, il arrive quasiment en première place. C'est juste phénoménal. Alors déjà, on va saluer la performance des acteurs. L'actrice principale a même obtenu le prix d'interprétation à Cannes. Elle s'appelle Zahra Amir Ebrahimi. Elle a été d'ailleurs boycottée d'Iran parce que voilà. Je sais pas exactement, je crois que c'est une sextape ou un truc dans le genre. Et du coup, au revoir, plus jamais. Et puis également, celui qui joue, on va dire, le grand méchant de l'histoire, qui est exceptionnel, il s'appelle Mehdi Bajestani. Et très sincèrement, depuis, allez, je sais pas moi, peut-être Le Silence des Agneaux, je n'avais pas vu un thriller aussi puissant, aussi flippant, aussi traumatisant, mais la vache! Et encore, Le Silence des Agneaux, ça reste un film hollywoodien. Donc quelque part, il y a des codes, il y a une esthétique amusante, entre guillemets. C'est un petit peu fun. On regarde le film, on a peur, etc. Mais bon, ça reste voilà du blockbuster, quelque part. Ouh là là, les enfants. Là, on rentre dans le vrai. On est dans un film qui suinte le réel. Et en gros, eh bien, on est dans une ville extrêmement pieuse, une ville sainte, où le sexe et tout ce qu'il peut traîner dans son sillon est totalement tabou. Et on va suivre deux histoires en parallèle, vraiment en montage alterné pendant tout le film. À la fois un serial killer, parce que c'est de ça qu'il s'agit, qui en gros va tuer des prostituées la nuit. Le jour, c'est un père de famille, quasiment comme tout le monde. Et c'est là où c'est extrêmement glaçant, On rentre dans son intimité, on le voit jouer avec ses enfants, quelque part on s'identifie à lui, quelque part au bout d'un moment on peut le trouver attachant, attention je mets des grosses guillemets quand même, et puis voilà la nuit, prédateur, il tue, il étrangle comme ça avec le foulard de ses victimes, avec un symbole religieux évidemment, il les étrangle dans des scènes mais absolument terrifiantes, glaçantes. Des interprètes, des prostituées sont fabuleuses. Et d'ailleurs, tout le casting, mais en fait, on se pose même plus la question. On a l'impression que tout est vrai. La moindre goutte de sueur, enfin, tout est absolument parfait. Et bien évidemment, tous ces crimes commencent à avoir un retentissement incroyable dans le pays. On en parle dans tous les journaux, à la télévision. On le surnomme le tueur araigné. Et c'est là qu'on nous introduit une journaliste, cette femme, qui arrive pour enquêter, parce que elle ne comprend pas vraiment pourquoi la police ne l'a toujours pas arrêté. Il a déjà tué plus de 10 prostituées, toujours dans le même quartier, et elle se pose la question, quoi. Peut-être que le gouvernement n'a pas réellement intérêt à arrêter cet homme, je vous en dis pas plus, Et même, peut-être que certains sont contents
d'une certaine façon, hein, que ce serial killer fasse le ménage et débarrasse la ville des femmes impures. Waouh, on est là-dedans, quoi. Alors, c'est une histoire vraie, hein. Ça se passe en 2001, et je vous assure, mais c'est tellement glaçant, c'est tellement intense, c'est tellement, mais juste à tous les niveaux. Alors déjà, formellement, et je vous assure que j'en rajoute pas, hein, c'est filmé comme un Michael Mann, vraiment, quoi. C'est mortel, c'est d'une beauté sidérante, la photo est magnifique, vraiment, les couleurs te pètent à la gueule, etc. Toutes les scènes nocturnes sont exceptionnelles. Un travail sur le son comme ça, mais qui t'aspire le cerveau, mais non, c'est sublime, la musique, et mais magnifique, c'est très dur de parler de musique comme ça, mais essayez d'écouter la BO, c'est sublime. Et puis on a un petit peu, vous savez, de jump cut comme ça, dans l'action à la Paul Greengrass, et chacun ses références, hein, vous voyez, pour dynamiser un petit peu le tout, et très sincèrement, je ne vois pas comment on pourrait faire un film plus parfait que celui-ci, avec un sujet pareil. C'est hallucinant. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais évidemment, on connaît tout de suite, hein, l'identité du serial killer. Voilà, c'est pas un secret. Et du coup, la mécanique du récit va être quelque part hitchcockienne. C'est-à-dire que on va s'amuser, entre guillemets, avec le spectateur, on va jouer sur le suspense, il va se passer des choses, évidemment, il va avoir des embûches, ce serial killer, comment il va réussir à se débarrasser du cadavre, alors qu'il y a des gens qui sont tout autour, enfin voilà, ce genre de choses. Et vraiment, quoi, on n'est pas habitué. C'est-à-dire que il n'y a pas de fun. Là, c'est pas plaisant du tout, là. Et du coup, nous, spectateurs, on se retrouve quelque part en culpabilité totale à éprouver un petit peu d'empathie pour ce personnage, quoi. C'est vraiment une sensation cinématographique ultra rare que j'avais pas ressenti jamais, je pense. Et puis, on n'est pas habitué, quoi. C'est vrai que dans ce genre de pays, on a l'impression, en tout cas dans le cliché, quoi, bah que ça va être édulcoré, qu'on va pas voir les choses. Et là, on voit tout. Et puis, on les voit quasiment en gros plan, quoi. Et c'est pas non plus complaisant, c'est pas choqué pour choquer. Ben voilà, il y a beaucoup de choses qui sont hors champ également, mais ce que je veux dire, c'est que ça rentre dans le tas. Et ça critique, évidemment, le patriarcat, comme d'habitude, mais là, pour le coup, vraiment, enfin, c'est de nécessité publique. C'est-à-dire que les problèmes qu'il y avait en Iran en 2001, je ne sais pas s'ils sont encore d'actualité aujourd'hui, mais là, oui, là, il faut faire un film, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, l'horreur, la vraie, elle est là-bas, à cette époque-ci, quoi. C'est insupportable. Et puis, à la fois, on critique le gouvernement, mais on lui rentre dedans, on tire à boulet rouge dessus. Je suis pas du tout sûr que voilà, les techniciens, les acteurs et lui, le réal, soient le bienvenu après ce pamphlet, quelque part, mais qui n'est pas manichéen. Hein. Encore une fois, il y a beaucoup de subtilité, des zones de lumière, des zones sombres, tout se mélange. C'est fait vraiment avec un talent incroyable. Écoutez, j'ai pas envie de vous en parler beaucoup plus, juste, je vous assure, hein, et pourtant, moi, j'ai le cœur bien accroché. Je suis habitué, c'est traumatisant, vraiment. C'est très dur, très violent. C'est un film qui va vous marquer la rétine à vie. Un film qu'on n'oublie pas, c'est inoubliable, mais c'est immanquable. Allez-y tout de suite, toute affaire cessante, nom de Dieu. Waouh ! Purée, le mois de juillet, là, c'était un putain de mois cinématographique. Énormément de pépites. Je me suis pris une déflagration, et évidemment, je vais aller checker tous les films du réalisateur. Vraiment, j'ai découvert un auteur passionnant et un réalisateur extrêmement doué. Donc, bah, n'en jetez plus, hein. Foncez. Likez cette vidéo si elle vous a intéressé, diverti un minimum. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires, comme d'habitude, pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao.